Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyansiban. C'est extraordinaire. Pour nous soutenir, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner, c'est gratuit. Et cliquez sur la cloche pour l'activer et un j'aime, ce sera extraordinaire. Mais attendez la fin de cette vidéo avant de cliquer sur j'aime. Parce que si cette vidéo ne vous a pas touché, pourquoi vous allez cliquer sur j'aime quand même? Mes frères et sœurs, c'est qu'est-ce que ça va vous toucher parce que ce que vous allez voir vraiment, ça va vraiment vous étonner. Ça risque même de vous faire peur. Soyez prêts, sinon commencez déjà à prier. Mes frères et sœurs, que serez-vous prêts à faire pour de l'argent? Pour beaucoup d'argent, lot of money. Que serez-vous prêts à faire pour beaucoup, beaucoup et beaucoup d'argent? Serez-vous prêt à travailler dur? C'est possible. C'est le plus recommandé, c'est ce que je vous demande. Mais faites un bon boulot. Ne faites pas de mauvais boulot. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour le diable aussi. Serez-vous prêt à arnaquer les gens? Ça aussi, c'est possible. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui se répand de jour en jour. Des arnaqueurs. Des gens qui se mettent tout simplement à arnaquer les gens sur les autres personnes là, sur Internet. Et ce qui est étrange, c'est que quand ces gens-là le font, ils ne le font pas de façon seule, ils ne le font pas seuls. Ils sont accompagnés par certains mystiques, certains féticheurs, si vous le voulez. C'est comme ça qu'on les appelle chez nous, les féticheurs, les marabouts, qui participent à leurs mauvais coups. Ça veut dire quoi? Ce sont des arnaqueurs qui se trouvent sur Internet, qu'on a l'habitude d'appeler des brouteurs. Ici, un brouteur en pleine séance de travaillement, ils appellent ça travaillement, c'est-à-dire qu'il vient dans un bar et il jette beaucoup d'argent sur les gens. Un brouteur en train de faire ça va tout simplement tomber et d'après les informations que nous avons reçues, il va tout simplement se transformer en un chien. Et vous allez voir cette image-là même ici. Franchement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais c'est l'histoire qu'elle a. Et nous, nous essayons de comprendre pourquoi. Déjà, les éléments sont là. On nous dit que ces gens-là, pour pouvoir bien arnaquer les gens, ils vont prendre des fous, pouvoirs occultes. Ils vont se lier à des démons ou encore à des mauvais esprits. Et ce sont ces mauvais esprits-là qui les aident dans leur mission. Et il y a un pacte qui est signé. Et quand ce pacte est signé, le moment arrive où ça prend fin, ça expire. Et c'est là des choses bizarres. Ou encore, quand ces gens-là font le pacte pour de l'argent, pour le pacte de la richesse, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conditions qui les accompagnent. Ça veut dire que l'argent qu'ils ont, ils jettent sur les gens, c'est de l'argent juste pour s'amuser. Parce que ça fait partie des conditions qui les lient à cet argent, même au diable qui leur donne tout cet argent. Mes frères et sœurs, vous allez voir ces images de vos propres yeux maintenant. Soyez prêts, ça va être chaud. Là, on sera au studio. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner, c'est gratuit. Cliquez sur j'aime. Si vous êtes touché par cette vidéo, si ça vous a appris quelque chose, mais vraiment, ce que vous allez voir, que ça vous amène vraiment à faire très attention et à choisir le bon chemin. Travailler dur, c'est pas facile. Si c'est facile, je vous dis, c'est dur. Nous n'avons pas encore dormi. Il est 11h22. Nous n'avons pas encore dormi. Je vous parle de quelque chose. Mais nous sommes là pour sauver des vies, pour sauver des âmes. Nous allons nous reposer quand le Seigneur Jésus va revenir. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça, mes frères et sœurs? Vous êtes prêts? C'est parti, regardez l'écran s'il vous plaît. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Lot of money, lot of money. Aïe, 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 aïe. Je veux cet argent. N'est-ce pas ce que tu t'es dit? Mais tu as oublié quelque chose, c'est que il y a un gars qui est juste là derrière que tu n'as pas encore vu. Qui est-ce? Est-ce que tu le vois?
il semble être caché, il ne peut pas être révélé. Mais tu le verras aujourd'hui. C'est qui? C'est lui. Qui est-il? C'est le diable. Le diable qui est derrière lot of money, beaucoup d'argent comme ça. Et toi, tu vois, tu te donnes. Wouh! Ouf! Tu te dis, hey, mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Et si j'avais ça pour moi? Et tu es prêt à tout mettre en œuvre pour l'avoir, même à naquer les gens, même à vendre ton âme au diable. Mon frère, ne le fais pas. Parce que ce n'est pas sans conséquence. Le diable, il peut apparaître de façon jolie, comme beaucoup d'argent comme ça devant toi. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne dois pas négliger le fait que c'est un loup prêt à te dévorer. Ha! Tu comprends? Ok, vous comprenez maintenant, vous allez comprendre. Là maintenant, nous allons entrer dans le but du sujet, mes frères et sœurs. Vous allez maintenant voir cette image. Un bouteur qui s'est transformé, qui s'est transformé en chien. Mes frères et sœurs, voici ce que ça donne en image présentée par un collègue. Regardez ça. Mon Dieu. Regardez ça. Waouh. Regardez. C'est impressionnant, tout simplement. Impressionnant. Est-ce que c'est la réalité? Mais c'est vraiment incroyable. Regardez de vous-même. Qui est-ce? C'est un homme chien. Regardez. Il s'est transformé. Regardez. Un brouteur transformé en chien. Ah! Je me pose des questions. N'avait-il pas beaucoup d'argent? Ne l'était-il pas content d'avoir lot of money? Tout cet argent-là. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi s'est-il transformé en chien? Et vous vous posez sans doute la question de savoir, mais pourquoi? Mais est-ce que ça ne m'a pas attiré? Est-ce que c'était du faux argent? C'était du vrai argent. Il a même partagé à tous ceux qui étaient autour de lui. Il a même utilisé tout cet argent pour faire le beau camp, comme on le dit. Mais finalement, le diable l'a eu. Parce qu'il n'est pas Jésus-Christ avec lui. Et il a abandonné le vrai chemin pour s'attacher au diable Satan. Et le diable, il est le mauvais. Si le diable est caché pour toi, nous allons le dévoiler chaque jour pour que tu puisses savoir qu'il est là. Et que toi, tu dois faire attention. Nous allons te dire. L'ennemi, le diable, il rôde autour de nous. Il rôde. Mais le Seigneur est là pour nous aider, mes soeurs. D'accord. Est-ce que vous avez vu ce que vous venez de voir? Là, c'est réel. Mes frères et soeurs, qu'est-ce qui peut expliquer le fait de cette transformation? Maintenant, vous le savez. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de partager cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. C'est extraordinaire. Abonnez-vous surtout même pour nous soutenir. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, c'est extraordinaire. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de séduction. Et tout ce qu'on voit de l'autre à la télévision, ça parle de sexe, drogue et argent. La belle fille. Tout ce chose qu'on vous montre à la télévision peut vous attirer. Vous pouvez dire par exemple, je vais être comme ça, je vais être comme ceci. C'est bien. Mais nous vous conseillons de travailler vraiment dur. Et quand on dit travailler dur là, c'est pas travailler dans le mauvais chemin. Quelqu'un peut être arnaqueur et il va dire, ah, pour arnaquer ce gars-là, j'ai travaillé dur quand même, hein. Ça n'a pas été facile. Il peut dire ça. Oh, c'est le mauvais chemin. Mon frère, il faut prier. Et il faut pas te laisser avoir par de telles personnes. Tu vas chercher une femme sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Si tu as besoin d'une femme, ah, viens sur le terrain. Oui! Les femmes que vous cherchez sur les réseaux sociaux, là, ça ne marche pas toujours. Vous pouvez tomber sur des hommes-femmes.
des anacœurs qui sont là, qui vous attendent. Et c'est à ce moment, vous, par amour, vous allez les poster, toutes vos photos, et eux aussi vont prendre vos photos pour envoyer sur le féticheur. Et le féticheur va vous attacher, va vous ensorceler. C'est du bagbadji, si tu crois pas, ça existe, nous allons te dire, c'est de l'envoûtement. Et quand tu regardes sur Internet, tu vois la fille, elle est là. Elle est là, tu causes avec elle. Et tu la vois en vrai. Mais toi, tu as été déjà attaché. Jusqu'à maintenant, tu envoies de l'argent, tu donnes de l'argent, tu fais comme ceci. Une personne que tu n'avais pas encore vue, tu envoies de l'argent. Vraiment, tu as la foi. Oh. Vraiment, tu as la foi. Si tu as fait un don, si on se bat, c'est extraordinaire. On va dire que c'est à Dieu qui a fait un don. Nous, ça va nous aider à acheter le matériel requis pour faire bien le travail. Regardez. On a besoin de matériel. Vous voyez un peu le reflet blanc, tout ça. C'est pas un truc qui est joli, joli. On peut faire mieux que ça. Et il y a un ordinateur qu'on va acheter. On a besoin de ce qu'il nous faut. Mais on va pas venir te dire. Si tu as fait un don, ça va nous arranger. Mais regardez. Mais ça déjà, ça nous permet de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que celui qui travaille, ce n'est pas un ordinateur. C'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est pourquoi nous demandons de vous abonner tout simplement. Partagez la vidéo quelques sujets. Mais ne prenez pas votre argent pour donner à une femme que vous ne voyez, vous n'avez jamais vue, que vous n'avez jamais touchée, que se trouve derrière un appareil, derrière une photo, derrière un écran, que vous aimez. En tout cas, si vous croyez que ça a marché, c'est possible. Dites merci. Mais si ça n'a pas marché, il ne faut pas pleurer. Si on t'a naqué, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas dire qu'on ne t'a pas prévenu. Tu ne vas pas me dire qu'on t'a pas dit qu'aujourd'hui le diable est même sur Internet. Le diable se fait passer pour femme. Et il y a une des choses mauvaises que les gens ont l'habitude de faire. Toi, tu aimes une femme. La femme, bah, tu la vois par Internet, sur Instagram. Vous causez jusqu'à un moment donné, tu dis, oh, donne-moi ton WhatsApp. Elle te donne son WhatsApp. Maintenant, toi, ce que tu fais, tu lui envoies des nudes. Si tu ne sais pas ce que nude veut dire, elle dit des photos de toi nu. Genre, tu veux l'impressionner. Tu as dit, oh! Tu as trouvé le vrai homme. C'est moi. Comme si c'était le sexe qui faisait le mariage. Si c'était le sexe qui faisait le mariage, les gens n'allaient pas se divorcer beaucoup comme ça. Les gens sont là, peuvent bien nous expliquer ça ici. Et toi, tu ne sais pas que tes photos peuvent être réutilisées par les gens pour te faire du chantage. Oui, il faut te dire, si tu n'envoies pas une telle somme d'argent, des millions, si tu n'envoies pas ces millions, comme nous, à ta photo ici, on va salir ton nom. Mon frère, c'est toi-même qui as cherché. Si tu avais décidé de marcher selon la voie de Dieu, tu ne serais pas dans ces problèmes. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, mon frère, l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à une femme. Ah! Ça veut dire qu'il y a un processus. Mais ce que tu dois savoir, c'est que de tout ce que tu fais, tu dois mettre Dieu dedans. Tu dois mettre Dieu dedans. Tu dois avoir Dieu dans ta vie. Et tu vas voir son importance. Si tu commences à être amoureux d'une fille, qu'elle soit sur Internet ou pas, ce qui va se passer, c'est que Dieu, il voit tout, tu vois. Si tu es un gars qui lui fait confiance et qui prie, Dieu va te révéler en songe dans ton sommeil qui est véritablement la personne avec qui tu parles. Si c'est un anacœur qui est derrière, tu le sauras. Par exemple, si tu fais un songe, ou tu vois une femme, tu vois la femme avec qui tu causes là, tu la vois, tout son corps c'est elle, et que sa tête là. C'est ça? Vous savez même, c'est ça? Mon frère, fais attention. Faut te souvenir de cette vidéo que tu as regardée, c'est pour t'aider que nous faisons ça.
Nous ne voulons pas que tu perdes tout ton argent. Tu as travaillé dur comme ça pour avoir tout ça. Ils vont aller t'arnaquer gratuitement. Ah, est-ce que c'est facile d'avoir de l'argent aujourd'hui? On travaille dur. C'est dur. Pour éviter les mauvaises histoires, pour éviter que tu viennes nous raconter ton histoire tragique, nous te prévenons au travers de cette vidéo. Fais attention. Ma soeur, mon frère, partage la vidéo, abonne-toi, clique sur j'aime, c'est gratuit. Et quand on s'abonne, on clique sur la cloche pour la TV. Ça, c'est extraordinaire. Préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir. Ça va surtout nous intéresser. Moi, je suis chaud même pour voir cette vidéo. Si chaud, mes frères, c'est un peu. Yeah! C'est parti pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Attends, mais qui sont ceux qui sont derrière là? Et c'est pas ceux-là, mais qui font du bruit depuis là. Regardez. Qu'est-ce que c'est quand même? C'est quand même bizarre. Hein? Wow! Dieu est fort quand même.